Bonjour à tous. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Étant donné que j'ai atteint les 300 abonnés, je voudrais tout simplement vous remercier du fond du cœur. Et donc pour vous remercier, pardon, de me suivre, de m'envoyer des commentaires, enfin voilà, vous êtes adorables. Et donc pour ça, je voudrais vous remercier. Et donc j'ai décidé d'organiser un concours. Donc je vais vous présenter un petit peu déjà des choses que j'ai mis en lot pour ce concours, mais il y en aura certainement d'autres. Je ferai une vidéo par la suite plus tard pour vous présenter les lots complets quand ils seront finis complètement. Donc pour ce concours, ce que je vous demanderai, déjà c'est un concours qui est réservé à la France, tout simplement parce que les frais d'envoi à l'étranger, c'est un petit peu, ça monte vite et mon budget scrap est relativement limité, on va dire. Donc je réserve ce concours à la France, donc je suis désolée s'il y en a qui me suivent de l'étranger, je m'excuse par avance. Ensuite, ce que je vous demanderai, donc c'est d'être majeur. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et je vous demanderai également de m'envoyer une de vos créations. Donc vous voyez ce que je fais puisque je poste un petit peu des vidéos. Et moi, j'aimerais aussi apprendre à vous connaître. Et donc je vous demanderai de m'envoyer une création. Donc pas de grosses choses, hein. Vous m'envoyez un petit truc, ce que vous voulez, une carte, un ATC, enfin ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire, et que je voie un petit peu votre univers, que je vous découvre aussi. Voilà, donc comment dire, pour le concours, donc je vous mettrai carrément mon adresse donc en barre d'infos, comme ça vous pourrez, enfin il n'y aura pas besoin de m'envoyer de mail, vous l'aurez directement. Ce que je vous demanderai par contre, c'est de marquer concours sur l'enveloppe, comme ça j'essaierai dans la mesure du possible de les ouvrir en vidéo, mais donc je ne me tromperai pas si c'est un courrier pour autre chose. Donc de marquer concours sur l'enveloppe. Et donc ce concours donc commence à partir d'aujourd'hui et se terminera le mois de mai. Il y a pas mal de ponts, il y a pas mal de choses, donc je le ferai se terminer le 16 mai. Donc parce qu'en plus en début mai j'ai l'anniversaire de ma fille, donc entre les ponts et l'anniversaire ça va être un peu bousculé. Donc le 16 mai c'est un mercredi, donc comme ça c'est elle qui tirera au sort le numéro, le nom, je ne sais pas comment je ferai les choses, mais donc voilà. Bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc je vais vous présenter quand même un petit peu des choses que j'ai déjà mis en lot pour ce concours. Et donc il y en aura d'autres par la suite. Donc ça va être des lots. Je fais du scrap, mais je fais beaucoup de loisirs créatifs d'une manière générale. Donc ça va pas être que du scrap. Il y aura un petit peu tout qui peut servir pour le scrap ou pas. Ce sera à vous de voir. Donc voilà, donc pour commencer, donc j'ai mis des paillettes, des sachets de paillettes. Je ne vais pas vous le sortir, mais c'est une enveloppe avec des découpes. J'ai mis également donc un carnet de sticky notes. Ensuite, il y a des embellissements papillons. Voilà. J'ai mis une planche de tampons, comme celle-ci. Ensuite, j'ai mis des tags la Reine des Neiges. Oui, c'est la Reine des Neiges, je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai mis tout un lot de serviettes. Donc, toutes différentes. Hein. Il n'y en a pas deux pareilles. Alors là, ça va faire un petit peu de bruit. Je m'en excuse par avance. Je vous ai mis également de la feutrine. Donc, d'un petit peu toutes les couleurs que j'avais. Attendez, ça, je me... Alors là, je vous ai mis... Oups. Également donc des planches de peel-off. Voilà, donc vous savez, c'est des espèces de stickers. Voilà, donc il y a une comme ça. Comme ça. Donc là, il y a des lettres. Voilà. J'ai mis également des petits napperons. Donc on utilise souvent dans les créations, notamment en scrap. Ensuite, je vous ai mis, c'est une planche de mousse orange cuivré pailleté. Voilà. Et je vous ai mis également le set paper, comment c'est le nom, Papercraft. Voilà. Donc ça, c'est le set licorne. Donc voilà dans ce lot. Donc je vais faire un lot. Donc un gagnant. Par contre, bien, je verrai s'il y a beaucoup de participation, je rajouterai un lot également. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, eh bien, écoutez, n'hésitez pas en barre d'infos, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous remercie également de me suivre sur ma chaîne. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.